vous attendre. Non. Si, attends, moi je vais prendre la mitraillette parce que le fusil de chasse c'est pas ça. Alors, mitraillette. Y'a personne hein. Fais gaffe, reste ici, tu vois pas toutes les flèches oranges. Je les vois les mecs qui se placent là. Bah oui, je les ai vus sur les flèches aussi, ouais. Y'a de la gaz. Attends, y'en a là. Brûle en forêt. Les enfoirés nous attendent. Oh la balle que j'ai mis dans la gueule. Ah oui. Je vais essayer de les faire brûler. Oh comment je l'ai séché. Merde, fais gaffe. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah oui, il y en a d'autres qui arrivent. Ah mais non là. Il est sérieux. Ça leur fait mal, hein. Putain. Oh. Ils sont où, putain, je vois leur torche là, mais... Putain, ils sont forts, lui. Attends, je me sois, il parce qu'il va bien allumer, lui. Derrière nous, ouais, là-bas. Ah ouais, je l'ai buté, lui. Oh merde, il m'a foutu au sol. T'es où, Buros? Je suis là. au sol. Bon, on va pas. Attends, j'ai gagné un point de... Bon, y'a plus personne là, c'est bon? Ah, je sais pas, vaut mieux avancer tranquille. Attends, je récupère des boussons sur les cadavres. J'ai vu que tout à l'heure, là, y'avait pas une porte de ce côté-là, là, attends. Je visite un peu. Ouais. Vas-y. Je récupère des munitions. Ah, tu vois, il y a un truc là. C'est... Alors, là, de la gaz. Là. Bon, c'est vide. Il y a un coffre. Du café. Moi, et des piles. Moi, des clous. Des clous. Des bijoux. Des produits chimiques. Ah, il m'a séché l'autre tout à l'heure. Hein. J'ai voulu courir dessus. Un coup de fusil à pompe, non, ça. Non, faut pas. Ça a été mal. Par là, c'est par là. Non. C'est là. Je sais pas, il y a une flèche ici là. Ah ouais. Attends, ouais. On va y aller doucement parce que. Je la sens pas l'affaire. Moi j'aime pas trop les gros espaces comme ça. En général, ah ouais, c'est carrément à découvert, y'a pas de protection là. Ah non, on peut pas se planquer. Ça sent le gros stremon, tu sais, qui t'arrive sur la gueule. On dirait la même planque que tout à l'heure. Rappelle-toi dans Evil Losing là, quand t'arrives dans un parking là, une espèce de géant là qui t'arrive sur la gueule. Ouais, je me rappelle. Ah non, la sortie elle est. Ah l'échelle. On va revoir le jeu. Libre. Attends. Il est libre. Vas-y. Non, mais attends, je pète un coup de radar là parce que. N'aie pas peur. C'est quoi des catacombes? Je sais pas où on est là. Attends, y'a plein de trucs. Y'a quoi là? C'est la corde. Là, y'a un coffre. Alors attends. Que dalle. Des clopes. Putain. C'était ton ombre, ça m'a fait flipper. Je croyais qu'il y en a un qui fonçait dessus. Moi j'aimerais bien prendre un vélo là. Y'a plein de trucs là. Bon. Alors une lame, des clopes. Du café, une lame. Ouais putain, mais ouais, non, mais on s'en fout de tout ça là. Ouais, y'a pas grand chose en fait. La sortie elle est là. Bon allez, viens, on se casse. J'aime pas. Attends. Et on est où là, putain? Oh putain, y'a plein de mecs. Ouais. Là, c'est... Éteins ta lumière. Attends, putain, attends, je regarde si je peux pas fabriquer des cocktails. Parce que là, il me reste que deux. J'ai une grenade, je peux jeter une grenade? Attends. Fais pas le con. T'as déconné là. Ah, moi aussi j'ai des grenades, fragmentation carrément.
Bracken, tu me reçois? Ici Crane. Tu les as butés? Sont tous morts? Dis à tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus et j'y restais. Putain! J'espère que ça va. Contacte Troy quand tu arrives dans le secteur 0. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Ouais, c'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. Tu dois chercher avec une grenade. Ah ouais, bah les deux ils étaient à côté. J'en ai profité. Ah, je l'ai bien visé la grenade. Attends, c'est quoi ça? Fusil de police. Fusil de flic. Attends, je vais regarder si j'ai pas un truc à acheter là, moi, dans mes trucs là, parce que. Peut-être reprendre un flingue, moi, parce que. C'est vrai que là. On va avoir pas mal de monde. Ah, mais putain, fais chier, j'ai que des bons trucs là. Quoi qu'elle est bousillée celle-là, j'ai peut-être. Ouais, c'est bon, ça je jette. Allez, vite. Alors moi. La grenade, ouais. Bon. C'est quoi ça? Alors la porte est la sortie. Peut-être sélectionner mon fusil, non? Ce serait peut-être mieux, non? Mets-le dans, ouais, dans tes trucs. Ouais. Je vais le foutre à la place de la batte. Voilà, comme ça j'ai deux armes à feu. Et... Bon. Démo. Ah ouais. C'est bon? Ouais, non, c'est apparemment c'est Skype qui déconne. Ouais, on a eu une déconnexion de voix. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, non mais. C'est vrai que c'est chiant ça quand ça arrive. Hein. Attends, c'est au-dessus, c'est absolument pas là. Putain, j'ai pas fouillé les poubelles, hein, mes couilles. Hein. Putain, y'a trop de trucs là. Moi, je regarde surtout s'il y a pas des plans ou des conneries comme ça. C'est où au-dessus là? C'est où qu'il faut? Par contre, on monte? Je sais pas. C'est quoi cette porte? Là, 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 c'est là, c'est là, c'est là. Je vais prendre le fusil à la main quand même parce que. C'est étrangement calme. Alors, ouais. Ouh, des belles mosaïques. Quittez le bâtiment. Bon bah ça va, on a paniqué pour rien, on a avancé, mais bon, dans ces cas-là, vaut mieux quand même avancer pas à pas comme ça, parce que, ouais, on sent un petit coup de couteau de par derrière, là. Hein? Le truc qui nous nique, là, comme ça, là. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. Hein? Tu crois que ça te gratte le cul? En fait, c'est un zombie derrière. Jamais se torcher avec un zombie. Jamais. Jamais. En plus, si vous avez des hémorroïdes, ça peut attirer avec le sang. C'est dégueulasse. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Oh, la belle ville. C'est parti. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade, ici Crane, tu me reçois? Merde. Bon, je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane, tu m'entends? Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le zéro? Excellent. Tu as vu deux tours, une plus grande que l'autre, avec des échafaudages partout. C'est notre perchoir. Mets le cap dessus, on t'attendra. Ah mais c'est bon ça, une nouvelle carte? Docteur Camden? Ouais. Vous me recevez? Ici Crane. Camden, vous me recevez? Crane? Oui, oui, je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le secteur 0. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tu vas bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jade et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Bon, moi, ça serait pas mal que je trouve un attendant. Oh putain, sale! Ah!
Qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, je me fais attaquer par une... Qu'est-ce que tu fais toi? Je fais dans la... Attends, parce que là je suis... La configuration est pas du tout la même hein, pour la ville là. Ah bah non, le quartier c'est pas le même. Là c'est des vrais bâtiments. C'est excellent comment c'est foutu. C'est pas des bidonvilles. Ah c'est pas mal du tout hein, franchement. Ah, c'est pas mal. C'est... Franchement c'est bien qu'ils aient fait ça. Bon, je savais qu'il y avait une deuxième carte mais... J'avais pas mal. J'avais pas bien vu comment c'était foutu. Tu veux de la grimpette, tu vas en avoir de la grimpette. Bah, bah écoute, oui. Banzai. Oh là j'ai déconné. Oh putain. J'ai sauté, je suis arrivé carrément en haut. Putain, mais les mecs, putain elle est bien cette épée quoi. Putain c'est quoi qu'elle va... Je vais la perdre. Oh là, fais gaffe, y a des nerveux là. Comment t'as fait ça toi? Ah oui c'est vrai putain. Le grappin mec. Bon ça va, arrête. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Ils sont où eux? On s'en fout là, il faut aller là-bas là. Il faut aller sur sa tour de con là. Et on peut marcher là-dessus là? Oups là. Ah tu fais le chat. Bah je fais le chat, j'ai pas trop le choix en même temps. Des clous. Oh putain. Mais t'es déjà là toi? Attends. Ouais. Voilà, tranquille. C'est là-haut de toute façon qu'il faut aller. Ouais, je pense, ouais. Mais tu m'empêches de passer! Faut trouver le chemin, quoi. Bah, le chemin, ça va, c'est tout droit là. Ouais, tout droit. Tout droit, y'a le vide. Ouais, là, c'est bon, on y est! Alors, tu y es. Ça fait plaisir que tu sois là, Craig. Y'a pas un attendant là? Si, c'est, sûrement. C'est lui qu'il fallait voir là? C'est grand, hein. Ça a l'air grand. Et nous on était en face en fait. De l'autre côté là-bas, ouais, je pense. Ah oui, bah oui, regarde, c'est là où il y a le. Regarde le. Le stade, ouais. Ah, il y a la grosse tour et tout là. Ouais, ça, ouais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Et bon, regarde, tu vois, on voit le truc là-bas aussi où on a effondré la tour. Tu vois la grosse fumée noire là sur la gauche? Ouais. Eh ouais, on est pas mal. Bon, allez, on va lui jeter à lui. C'est pas lui. De quoi c'est pas lui? C'est là-dedans. Ah d'accord, ok. Allez, c'est parti. Craig, c'est trop bien. Moi, c'est sa vie. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade, ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît, ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret, mais... Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais... Je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Tu meurs ! Jade ! Jade ! Merde. Crane, la dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Okay. Bon, alors là, je t'avoue qu'au début j'étais content parce que quand tu vois Troy, en fait, tu te dis ça va, elle est pas maquillée comme l'autre, tu sais, à outrance, tu sais quoi. Et l'autre, voilà, attends, le visage c'est Freddy Krueger. Attends, il y a une trappe là. Il faut que tu la retrouves, Crane. On fait les quatre annexes dans cette ville, histoire de visiter un peu. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Crane, encore un truc. Rice a amené plusieurs membres de ses troupes de choc à la vieille ville. Ils ne sont là que depuis quelques semaines, mais ils font beaucoup de dégâts. Ils lancent des raids et terrorisent les survivants dès qu'ils le peuvent. Apparemment, Rice leur a donné l'ordre d'être aussi brutaux que possible. Il aime que les gens sachent qu'il est là. Et ils sont bien barricadés.
En plus de leur quartier général, ils utilisent deux autres lieux pour amasser du matériel. Il paraît qu'ils ont un sacré butin. J'aurais bien besoin de matériel. Tu nous rendrais un grand service. Où sont les avant-postes ? Il y en a un dans un immeuble de bureau, et l'autre dans une station radio. Je vais peut-être aller voir. Bah c'est pas peut-être, c'est sûr. Bon, ouais, c'est sûr. Par contre, moi, je voudrais un putain d'attendant. Ouais. Je crois qu'il y en a un, là. Parce que je... Bah oui, c'est sûr qu'il y en a, il doit y en avoir un, ouais. Parce que moi, je veux... Il est où ? Je crois qu'il... Ah, c'est quoi, ça ? Quoi ? Tu viens pas d'avoir un truc, là, à l'écran ? Non, j'ai rien vu. J'ai tout Tu te rappelles quand on s'est barré de chez Rise, là ? Ouais. Et qu'il arrêtait pas de délirer, là. Qu'il avait plus d'endurance ni rien. Il pouvait pas courir. Ah, ça t'a fait un truc jaune ? Ouais. C'est vraiment, ça. Attends, il y a une tyrolienne. Ah non, mais ça... Non, mais prends pas la tyrolienne. Tu voulais pas un attendant ? Si, je veux un attendant. Voilà. Je crois qu'il y en a un, en bas. Ah bah, on aurait pu prendre la tyrolienne pour descendre. Non. Là, il y a un sac poubelle, là. Vas-y, on saute là. Mais... Il est ici, l'intendant, non ? Où ? C'est pas une planque, ça ? C'est quoi, ce bordel ? Quelqu'un m'entend ? Il est en haut ? C'est Daoud ! Je suis avec un petit enfant ! On a besoin d'aide ! Il est où, ce con ? Ils m'ont mordu ! Je me transforme ! S'il vous plaît ! Bah oui, bah oui. On est dans un immeuble résidentiel, en face du chantier, dans le quartier du Recoin. Je vous en supplie ! Aidez mon fils! Attends, je regarde dans l'émission. Alors, Ketanex, perdu dans l'espace, aidez Daoud. Bon, on va l'aider ce connard là. Attends, viens, il y a un sac là de planque. Mais moi, c'est pas un sac de planque que je veux. Si, non? Je sais même pas où t'es. Faut que tu remontes un petit peu. Mais moi, il faut que je trouve un putain d'attendant là. C'est pas là où il y a le dollar? Mais c'est une planque, t'es où? Je suis remonté. Ah non, redescends. Mais tu te fous ma gueule, tu me dis il faut monter. Ouais, mais à mon niveau. T'es où, mais je sais pas à quel niveau t'es, moi. Là on est au même niveau là. Non, je suis juste au-dessus. Mais tu... je vais t'en coller une, je te jure. Vas-y, remonte. Faut que je remonte et je redescende après. Voilà. Putain, j'étais monté là-haut, il me fait redescendre. Ah là, il m'a saoulé. Là. Là, il y a un camion avec. Essaye de regarder dans le sac là. C'est fou, il y a. Échanger, bah il est là le mec. Mais non, lui c'est un vendeur. Machette militaire, 16 000, wow. Comment ça, machette militaire? J'ai juste assez pour l'acheter, mais bon, je vais peut-être pas acheter ça maintenant. Bon, attends, je vais lui vendre des trucs à lui. Je vais lui vendre les... Moi, je vais lui en acheter, je vais lui acheter des munitions aussi. Vendre ça. Je vais lui vendre ça. Et je vais lui vendre ça. Ok, ensuite... Là, le sac. Acheter des munitions. C'est où les munitions ? Munitions de fusil. T'as acheté. Allez, hop. Le gosse là, qu'est-ce qu'il veut lui ? C'est toi, Crane ? Tu lui ressembles en tout cas. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es tout seul ? Mon père est mort il y a 2 jours, mais il m'a enseigné toutes les règles de survie nécessaires. Mon père a laissé quelque chose pour Crane. Si t'es vraiment Crane et que tu peux le prouver, je te le donnerai. Ouais, comment tu veux que je te prouve que je suis bien Crane ? Sors et prouve-moi que t'es super rapide. Mon père m'a dit que le vrai Crane est le plus rapide du monde. Alors t'as intérêt à foncer. Mais j'ai rien à lui prouver à ce petit con, hein. Ouais, ce truc de défi, on s'en fout, le jeu. Ouais, attends. Je vais poser des trucs, là, parce que là, je suis blindé de trucs qui me servent à rien. Regarde si t'as pas le grappin. Ben non, je l'ai pas, le grappin. Ouais, pour trouver un intendant, là... Ah ouais, mais tu veux que je fasse quoi? Je suis dans la merde. Ah, mais y a plein de planques à récupérer et tout, là. Ben oui, mais justement, c'est dans une planque que je vais pouvoir trouver un... comment ça s'appelle, un intendant. Voilà. Voilà. Alors, j'ai libéré un peu de trucs, un peu de place. Et on va se barrer. Ça a l'air bien compact quand même, cette carte là. Mais je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas un attendant là. Alors on va en trouver
Bon, attends, on remonte, on va prendre la tyrolienne, ça y sera plus rapide pour descendre. Absolument cette tyrolienne. Laquelle? Bah plutôt celle-là là-haut là, parce que ça sera plus de notre côté. Celle qui est complètement à gauche. J'arrive pas à la choper. C'est parce qu'on est tous les deux dessus. Vas-y. Oh putain. Je sais pas pourquoi je le sens pas bien cette histoire. C'est bon. Oh, c'est la zone hein. Oh merde, merde, merde. Crain, c'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage. Troy, ça me fait penser à... aux Simpsons. Bonjour, je suis Troy McClure. A plus, Crain. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Bon, c'est quoi le petit drapeau rouge, là? Oh putain! Je crois que c'est... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je t'ai remis dans... Mais il veut quoi, lui, là? Qu'est-ce qu'il fait sur la porte, lui? Viens, toi. Ouais, putain, les parcours, là Ça a l'air plus... Ouais. Ouais, ça a l'air plus, plus piégé, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mec, t'es celui-là, il est chaud. Oh putain! Mais ouais! Ouais, oh! Sur mon pote! Merde, putain, mais. Oh! Faut me lâcher maintenant! Faut me lâcher la grappe là! Oh! Ils décollent, les mecs là! Tu veux, on va où là? On fait quoi? Oh attends, 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 attends! Derrière la porte là, y'en a un qui est balèze là quand même là! Quoi, ouais. Rentre, tu vas voir. Merde. Le mec il jette des bagnoles. On la porte, allez c'est bon, c'est pas notre histoire. Bah ouais mais faut qu'on aille de l'autre côté. Bah par les bâtiments, par en hauteur. Vas-y viens. T'es un gros malade, pourquoi tu cherches la mort absolument là? Je cherche pas la mort, regarde. Si tu cherches la mort. Oh putain mais y'a des gros partout là. Merde c'est quoi ça? Oh putain. C'est en haut. Merde, merde. Mais t'as la gueule! Putain! Tu le fous dans la merde! Oh, putain, attends, tranquille, respire! Il est là, il est là! Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Putain, je crois que c'est Daoud! Non? Non! Samy, c'est Monsieur Crane, t'es là? Ne me faites pas de mal! Qu'est-ce que tu fous dans le placard? Pourquoi t'es enfoncé dans le placard? J'ouvre la porte. Mais non, je te jure, t'es dedans. Y'a un gamin, putain. Ah, le bug. Attends, qu'est-ce qu'il y a, le gamin? Attends, c'est le gamin, là. Non, mais t'entends pas ce qui s'énerve? Y'a un truc qui s'énerve, là. Ouais, dehors, mais c'est toi, tu... Doudou, gamin, c'est terminé. Tu vas bien? Mon papa a été blessé. Il a dit qu'il devenait comme les autres gens malades et qu'il pouvait plus me protéger. Il a dit que si je sortais du placard, il me ferait du mal. Mais qu'une fois qu'il serait vraiment malade, je serais en sécurité parce qu'il aurait oublié que j'étais là. Ton papa t'a sauvé la vie. Où est-il? Il est parti, Samy. On pouvait rien faire. Maintenant, je vais te ramener à ta maman. J'aurais bien aimé rester avec elle. Ouais, 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 c'est ça. Il y a une planque juste à côté, là. Troy, c'est Crane. Je t'écoute. J'ai un petit garçon avec moi, il a vécu des moments difficiles. Il va falloir l'aider. Tu auras quelqu'un dans 5 minutes. On peut le ramener à sa mère à la tour? Je l'y amènerai moi-même s'il le faut. Merci, Troy. Attends, y'a un enregistrement. Un enregistrement? T'as vu qu'on a une caisse qui est juste à côté, là? Qu'est-ce que tu fais? Elle est où, la caisse? Quelle caisse? Tu vois pas qu'il y a une caisse sur le plan? La flèche blanche? Ouais, la caisse elle est dans la flotte, il y a le gros là, non? Tu crois? Celui-là, à mon avis, c'est pas pour rien. Je sais pas, hein, je vois pas. Ramasser la carte sur laquelle la zone est marquée, le héros. Mais attends, c'est pas ça, j'en ai rien à foutre de ça, moi je vais pas faire ça. Putain, ils font chier à nous foutre leurs défis à chaque fois par défaut là. Il y a une planque en face là. En sens, station radio, avant-poste.
Tu veux qu'on fasse quoi? Station radio? Oh putain. Allume gaz. Bon. Et les mecs ils montent de partout hein. C'est des dingues. Ouais, ils sont partout, ils arrivent chaud là en plus. Je veux faire la planque là, ouais, ça serait pas mal hein, qu'on ait une planque. Ouais. Attends, ouais, je vais la buter là. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Prenez la. J'ai rien fait du tout. C'est là-dedans là? Il y a plein de monde. Faut pas jeter une grenade ou un truc là? Attends. T'as fait que je t'ai loupé là? Oh non! Je suis mort! Pas moi! Derrière, le saut que j'ai fait, mon gars! Pourtant, je l'ai jeté dedans, putain! Pas sûr. Bah. D'où il sort, lui? Attends, oh! Oh, Micheline, tu déconnes! Attends, arrête de déconner. Ouais, vas-y, on y va au sabre, allez, vas-y. Ça les attire même pas quoi. Je vais tous mêler. Ah non, ils sont au sol. On les mord. Je t'ai caché. C'est dégueulasse. Il y en a encore un. Derrière. Ah, ils arrivent chaud là, c'est quoi ce bordel? Attends, faut que je répare mon arme. C'est bon. Eh hey, non, mais hey, c'est des dingues les mecs. Des gros malades. C'est où la lumière? Tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon. Bon. Mais non! Oh non! Quoi? Soigne-moi! Il y a un gros qui est sorti de nulle part, il m'a pété à la gueule! J'ai bien eu de te laisser par terre! Putain, c'est sérieux quoi! Il se fout dans ma gueule! Bon, apparemment, il y a rien d'autre à faire. Tic-tac-tac. Ah, ça doit être chaud la nuit ici! Je pense que ça va être compliqué. Parce que tous les toits qu'il y a quoi, c'est... La station de radio, c'est où? C'est le truc là-bas là? Mais c'est sur l'autre carte, non? Non, 110 mètres. Oh bien putain. Et par contre là, c'est pas bon parce que s'il nous suit même sur les toits. Oh là, regarde là, c'est qui lui? Où ça là? Ah là. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Espèce de parachutiste là. Oh! Il s'est vautré comme une merde. Y'a du monde là sur les toits? Ah oui, y'a du monde. Oh putain. Moi j'aimerais bien trouver un attendant moi, parce que là. Le grappin ici ça peut être. Je pense que ça peut servir. Je pense aussi, ouais. Parce que autant dans l'autre ville on pouvait se démerder sans. Mais là je pense que ça peut vite devenir compliqué. Ah ouais, mais toi tu t'en fous, t'en as un. Ah oui. Eh oui, en plus il me dit oui. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je comprends. Oh merde! Je comprends pas pourquoi il. Ouais. Il glisse sur les murs là. Je sais pas, ça me. Je glisse pas moi. Oh, ah mais le monde s'y en bas quoi, mais laisse tomber quoi. Tu te pètes la gueule, t'as tout gagné. Ça. Oh attends, ça peut faire du point ça. Ça vous attire là qu'on faut tout brûler. Ah, vas-y, envoie des pétards là sur un endroit et. Attends, est-ce que j'ai des pétards? Ouais. Là-bas. Pas l'air vif. J'ai fait cocktail. Ou une grenade, un truc. Oh. Là je pense qu'on en a énervé plus d'un là. Faut qu'on se casse. Là ça craint. Putain les morceaux, il y en avait partout. C'est pas ça la tour radio? Eh mais c'est ici le. C'est quoi ce drapeau rouge? C'est là. Putain, c'est en bas. L'entrée est en bas. Putain, je vais même ouvrir les placards, putain, là, on s'en sort plus. Attends, mais t'es où? T'es passé où? Ah, oh, j'ai même pas vu qu'il y a une porte. Mais il y a un coffre bizarre là. C'est quoi ça? Alors?
quoi ça. Un pistolet de grimpeur. Oh putain, il a l'air costaud celui-là. Hop là, 200. Tu l'as ouvert? C'est bon? Du café. Ouais, bon, ça va, je peux quand même ouvrir un coffre. Machette de merde. Je l'ai ouvert. Truc de dingue. Tu m'as trouvé le cul. Oh, attends, l'entrée. Oh putain, c'est quoi ça? Eh, elles sont dangereuses ces barres là. Tu crois? Attends, je reste pas dessus. Non, je veux pas tester. Non, stop. Ouais, j'ai merde, je me suis trompé de bouton, putain. Il fout du feu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, on rentre là, putain. En bas, je te dis, c'est en bas. Hein. Sûr, la tour radio, elle est là. Hein. Ah oui, mais c'est en bas. Je vois la flèche vers le bas sur le rang. Là. Bah, moi, je la vois vers le haut. Non, attends, pas de là. Non. Si. J'y vais pas du tout.